tellement jolie. C'est un avant-goût de printemps. Ça sent bon. Acheter des fleurs. Le printemps est là. Il ne faut pas manquer de fleurs en cette belle saison. Alors aujourd'hui, je suis à l'un des plus grands marchés des fleurs de Beijing pour acheter des fleurs. J'ai toujours beaucoup aimé les fleurs. Au cours de ces dernières années, le marché chinois de la consommation de fleurs s'est développé très rapidement. Avec l'amélioration constante du niveau de vie matériel des gens, leur acceptation des festivals chinois et étrangers augmente également. Par conséquent, la demande de fleurs de festival augmente de plus en plus. Par ailleurs, la consommation de fleurs par les femmes ne se limite pas au festival, mais s'étend au quotidien. Elles consomment de plus en plus pour leur propre satisfaction. Moi aussi, si je vois quelque chose qui me plaît, je vais bien sûr l'acheter. En effet, de plus en plus de Chinoises commencent à apprendre à s'aimer, qu'elles soient urbaines, rurales, jeunes ou âgées. Le concept de consommation est aussi un véritable portrait de leur bien-vivre. Ça sent bon! J'aime cette combinaison de couleurs! Tellement jolie! Et c'est pas cher! C'est un avant-goût de printemps! L'épidémie a eu un certain impact sur le marché aux fleurs au premier semestre 2020, mais après la reprise du travail et de la production, le marché est rapidement revenu à des niveaux normaux. Et il y a même eu une explosion de commandes pendant les festivals, inaugurant une nouvelle croissance de la consommation. 疫情对咱们影响大吗？有影响。今年小，今年少一点，今年多，今年大。今年大，那疫情复产复工恢复了之后，咱们的这个市场有没有好起来？好了不少。是吧？好了很多。买花的人多吗？多多多。生意还挺好。哎呀，越来越多。越来越多。 En plus, avec le développement continu des techniques de conservation des fleurs fraîches, les capacités de transport, les changements dans les habitudes de consommation des gens et l'intégration en profondeur des applications de commerce électronique, acheter des fleurs en ligne devient une nouvelle tendance. J'ai réservé en octobre de l'année dernière le service de livraison de fleurs de 6 mois en ligne et chaque samedi matin, on m'envoie un grand bouquet de belles fleurs. Chaque fois, la couleur et le type des fleurs sont assortis par le commerçant. Donc, ça devient aussi une petite surprise et un petit bonheur qui m'arrive chaque semaine dans une vie bien remplie. Je suis vraiment contente. J'ai acheté tellement de fleurs sans m'apercevoir. Il y a des fleurs de lys, des pâquerettes, des chrysanthèmes, des zixoras et des œillets. Oh là là! Je suis impatiente de rentrer chez moi et les mettre dans un vase. Chaque fois, je fais sécher les fleurs sur le point de faner pour décorer les pièces et me souvenir du bonheur qu'elles m'ont apporté quand je les ai reçues.